Communiqué de presse Anonymous. Projet Nouvel Ordre mondial. Ceci est un message d'Anonymous pour les dirigeants du Nouvel Ordre mondial. Nous vous envoyons ce message pour vous informer que durant trop longtemps, vous avez abusé des droits de l'homme, en créant des guerres, des crises financières, des attentats, des assassinats. Ce que vous faites subir à certains peuples du monde est vraiment inhumain. Le peuple vous a envoyé beaucoup de requêtes pour stopper vos plans, concernant le Nouvel Ordre mondial et tous vos complots. Mais vous ne les écoutez pas et vous continuez dans la voie de la guerre et de la destruction. Nous avons été aussi très choqués de vos techniques de torture, qui sont inacceptables et immorales. Nous avons pu aussi constater que les autorités suisses utilisaient aussi la torture envers les immigrants. Nous vous demandons immédiatement de cesser toutes vos techniques de torture, et nous vous demandons de fermer immédiatement tous vos centres de détention. Aucun humain ne mérite ce genre de traitement. Nous n'accepterons pas ce genre de comportement. Vous torturez et tuer des gens innocents et qui essaient de faire ressortir la vérité et cela est intolérable. Le premier ministre du Canada, Stephen Harper, a aussi récemment rendu légal la torture au Canada. Ce que nous considérons comme un acte d'agression. Le secret des ogranes maçonniques que vous cachez au peuple du monde n'est pas acceptable et sera divulgué publiquement partout dans le monde. Ce secret concerne l'extinction de toutes les espèces humaines, animales et végétales. Nous ne vous autoriserons pas à garder ce secret. Nous connaissons vos plans et vos secrets et nous savons qui vous êtes. Nous demandons aussi à tous les membres des sociétés secrètes et de la franc-maçonnerie, entre autres, qui regardent cette vidéo, de bien faire attention lorsque vous devenez membre d'une société secrète. Méfiez-vous de ce que l'on vous cache. Informez-vous sur votre société. La vérité est dans votre cœur, mais elle est parfois brouillée par des techniques de manipulation. Nous invitons ici les gens de tous les horizons à s'unir pour révéler la vérité et faire tomber le nouvel ordre mondial corrompu. N'oubliez pas qu'un début de l'élite est de diviser pour régner. Le nouvel ordre mondial n'est pas une création de Dieu. Son symbole est l'œil d'Horus. L'œil qui voit tout. L'œil unique. Votre Seigneur n'est pas Borgne. N'oubliez pas cette phrase. L'opération Illuminati est lancée. Préparez-vous à recevoir notre colère de plein fouet. Nous sommes Anonymous. Nous nous adressons à vous pour vous dévoiler le secret grades de la franc-maçonnerie, société secrète. Ainsi que la raison de la mise en place du nouvel ordre mondial. Nous allons vous révéler en dix points le secret maçonnique. 1. L'univers est cyclique. Lente phase d'expansion et rapide phase de contraction. 2. À chaque contraction, seul le noyau terrestre se contracte. Effet des neutrinos. Aussi appelé éther, qui est le cinquième élément après le feu, l'eau, la terre et l'air. 3. Les continents se rapprochent violemment et reprennent leur place pour reformer la Pangée. Coller des cartons ayant la forme des continents formant la pangée sur un ballon, gonfler le ballon, la pangée s'écarte, dégonfler, la pangée se reforme. 4. Les eaux reprennent leur place. La quantité reste la même sur une surface moins grande, les falaises n'existent plus puisque si l'on est assis sur leur banc nous avons les pieds dans l'eau. 5. Voilà ce qu'est en réalité le déluge décrit par toutes les religions du monde. 6. Il nous fabrique un autre monde depuis la nuit des temps? Parce que tout doit être mis en œuvre pour que jamais la vérité ne puisse être approchée ni scientifiquement, ni religieusement, ni dans les livres, etc. et qu'ils soient ainsi les seuls, le moment venu, avec ce qu'ils auront choisi, à être à Jérusalem. 7. Les dix commandements du nouvel ordre mondial, qui sont écrits sur les Georgia guidettonnes, sont les dix commandements des futures générations. Le premier commandement concerne la dépopulation. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. 8. L'aéroport de Denver contient plusieurs messages maçonniques qui font partie du complot du Nouvel Ordre Mondial. Si l'aéroport de Denver se trouve au centre des États-Unis, c'est parce qu'il ne fera pas bon être au bord du continent lorsque ceux-ci se rapprocheront avec violence en quelques jours seulement. 9. Jérusalem est protégée car elle se trouve au centre de la Pangée lors de la contraction de la Terre. C'est pour cette raison que Jérusalem est appelée la Terre Sainte, et que c'est le berceau des trois religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islamisme. 10. Ces informations sont un résumé sur ce qui explique presque tous les aspects de notre monde. Passé et futur. Ces informations sont la cause de, la mise en place du nouvel ordre mondial, la guerre au Moyen-Orient, comme le conflit israélo-palestinien, la gravité qui est plus forte ou moins forte, selon la grosseur de la terre, l'extinction des dinosaures et d'autres espèces, la manipulation de masse, peuple, les pyramides sur toutes les continents, le déluge décrit dans toutes les religions du monde, la pangée, le supercontinent et beaucoup d'autres sujets. Bientôt, d'autres informations importantes seront divulguées sur Internet. La vérité est une délivrance et elle rend libre. Illuminati Résistance. RG Anonymous Légion. Anonymous. Les diables diables. Lumière sur lumière. France Riposte. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légions. Nous n'oublions pas. Nous ne pardonnons pas. Redoutez-nous. Nous sommes aimés tous. Nous sommes légers. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. redoutez nous